Abambora wotanu dey. Bremen City mi do go lude, hey, hey. I call in a game do da ude, hey. En anjara wota wu lude. Abambora wota anu dey. Bremen City mi do go lude, hey, hey. I got in a game do da ude, hey. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Moi, je vais très très bien par la grâce de Dieu. Je vais très très bien, très 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 bien. Dieu merci. Juste avant même de rentrer dans le vif du sujet même, je tenais d'abord quand même à vous remercier vous tous, hein, vous dire un grand merci tous qui sont là, même ceux qui sont pas là tout de suite dans l'immédiat. Ces derniers temps, j'étais un peu rare sur les réseaux sociaux et j'ai vu que vous avez été nombreux à vous inquiéter. Mes gars d'Estate, ATL, je pense à Jackie, je pense à Joe, je pense à Daouda, je pense à tous les autres, tu vois, qui avaient appelé, qui avaient essayé de prendre des nouvelles, à mes gars de la France, Mexès, Broadway, Alimou, tu vois, tous les autres, tous mes gars, un peu partout là-bas aussi, qui ont essayé d'appeler quand même pour prendre des nouvelles et savoir si j'allais bien. À mes gars et mes gars de Bruxelles, DJ Bobo, Ibro, à mes sisters qui ont appelé, tu vois, qui ont pris des nouvelles, qui ont essayé de savoir si j'allais bien. Yeah, grosse force. Merci pour l'amour. À mes gars de l'Allemagne, Bremen, what's up? Hi, Falidou, Bas Suisse, Paikungine, Tanas, Mas, tous les autres. Franchement, merci pour la force. Merci de vous être inquiété, merci d'avoir essayé de prendre mes nouvelles. À mes gars de la Suisse, mes gars de Genève, mon grand frère Raph, grosse force à toi. Merci pour l'amour euphorie, merci beaucoup. Merci pour l'amour euphorie, Raph de la Suisse, Raph de Genève. Merci beaucoup pour la force, merci pour l'amour, merci pour ce que tu fais. Merci pour le mental, merci pour le mental, ça. Bon. Vrai nigga fait les vraies choses. Merci Fouri, merci. À tout le monde en général, mes gars du Maroc, mes gars du Sénégal, mes gars de la Côte d'Ivoire, mes gars du Congo, que ce soit la République du Congo, que ce soit la RDC. Hein, grosse force. À mes sicaires, tous mes sicaires du monde, en particulier ceux de la Guinée et aussi tous les autres de la diaspora à l'étranger. Hi, grosse force. Merci beaucoup pour l'amour que vous me donnez. Merci de vous être inquiété. Ça va. Je vais très très bien. Je vais très très bien. Mais vous savez juste que parfois dans la vie, il faut savoir un peu lever le pied, tu vois, prendre du recul, tu vois, histoire de méditer, histoire de savoir tu en es où. Yeah, tu vois, non, histoire de savoir tu en es où, histoire de recadrer, histoire de savoir est-ce que tu es en train de partir dans ta direction. Je dirais pas forcément la bonne direction parce qu'aucun d'entre nous n'est détenteur universel de la vérité. Mais quand tu fais les choses, parfois c'est très bon de prendre du recul, tu vois, de poser le pied un peu histoire de savoir est-ce que tu es en train de vraiment partir dans ta direction. Mais avant même qu'on rentre dans le vif du sujet, cette semaine, moi je vous avais promis quelque chose, mais bon. Et comme je l'ai dit, hein, dans la vidéo, la promesse est une dette, donc. Je me suis pas acquitté de ma dette à 100%. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je tenais quand même à faire cette vidéo là, tu vois, histoire d'échanger, histoire au moins de vous faire savoir que je vais bien, que votre sicaire il est là et qu'il fait les choses. Cette semaine, on a eu malheureusement un événement très très malheureux. La culture guinéenne, encore une fois, malheureusement, est en deuil. On a perdu. La Guinée a perdu un enfant. Moi, j'ai perdu un grand frère, Abdul Jabbar. Encore une fois, je tenais à présenter mes condoléances, c'est-à-dire à tout le peuple de Guinée. Je tenais à présenter mes condoléances à sa famille. Je tenais à présenter mes condoléances à tous les acteurs culturels, ok, en particulier et à toute la Guinée en général, parce que la Guinée vient de perdre encore
Malheureusement, un de ses fils, un de ses fils, un de ses braves enfants, un de ses bons enfants, qui était positif dans la tête, qui était respectueux avec tout le monde. Il n'y avait pas question d'âge, il n'y avait pas question d'expérience. Moi, les rares fois où j'ai eu à le pratiquer, il m'a toujours accordé un grand respect, tu vois. Il a eu mon temps et que tout ça compte pour lui, que tout ça compte pour lui le jour de son jugement, que le Tout-Puissant Allah ait pitié de son âme et qu'il lui accorde le paradis, que son âme repose en paix. En tout cas, il ne faudra pas l'oublier dans vos prières. À chaque fois que vous allez penser à lui, que vous allez penser à sa musique positive qu'il a toujours essayé de partager avec nous, de changer avec nous, faudra lui adresser quelques prières. C'est très très important parce que là où il est aujourd'hui, c'est de ça qu'il a besoin. Et d'où nous sommes, c'est tout ce que nous pouvons lui offrir. On ne peut plus lui donner, on ne peut plus lui... On ne peut plus rien lui donner d'autre. Tout ce que nous pouvons lui donner, ce sont nos prières. Donc, quand vous pensez à lui, n'oubliez pas une rakat, deux rakat, peu importe. Pensez à lui, juste des prières. Pensez à lui, en tout cas. Que son âme repose en paix, encore une fois. Mes sincères condoléances à tout le peuple de Guinée pour le décès du frère Abdul Jabbar. Que son âme repose en paix. Après ça, dans l'actualité, il y a eu aussi également la condamnation du frère Fonike Menge. Gros big up à Fonike Menge, gros big up à Fonike Menge, parce que c'est un homme brave, c'est un homme digne. Être un homme, c'est pas juste porter un pantalon et puis. Excusez-moi de l'expression, mais être un homme, c'est pas juste avoir des testicules, quoi. Il faut savoir les porter. Il faut savoir les porter. Et Fonike Menge, il a montré que c'est un homme et que c'est un homme digne. Il a accepté, il a décidé de faire quelque chose, il l'a fait. Cette chose-là, on est en train d'essayer de la retourner contre lui, mais il a accepté ça avec dignité. Il a accepté ça avec dignité. Il a montré au peuple de Guinée que ce qu'il fait là, il l'a fait d'abord pour lui-même. Il l'a fait d'abord pour lui-même. C'est Fonike Menge qui a été condamné à ce procès, mais ce que la jeunesse guinéenne n'a pas compris, c'est que c'est toute la jeunesse guinéenne qui était jugée. C'était le procès de la jeunesse guinéenne. C'est devant le juge, c'était juste Fonike Menge, mais c'était le procès de toute la jeunesse guinéenne. C'est toute la jeunesse guinéenne qu'on a jugée et condamnée ce jour-là. On a condamné ce jour-là. On a condamné pourquoi? Pour dire que je suis dans mon pays et ça ne me convient pas. Je suis dans mon pays et que des gens sont en train de changer des lois. Des gens sont en train de vouloir essayer de profiter de ce pays-là au vu et au su de tout le monde et moi je suis contre ça. Et on t'attrape. On te fait passer devant un juge et on te met en prison pour ça. Donc il faut savoir que c'est Fonike Menge qui est en prison. C'est Fonike Menge qui écope de cette peine de prison. Mais psychologiquement, spirituellement, mentalement, ce procès, c'était le procès de toute la jeunesse guinéenne. C'était le procès de toute la jeunesse guinéenne. Ça, c'était leur manière à eux de dire à toute la jeunesse guinéenne, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule et tu subis. Mais heureusement qu'il y a des hommes dignes comme Fonike Menge pour dire ça là. Eh les gars, vous m'intimidez pas. C'est pas parce que vous m'avez mis en prison, c'est pas parce que vous m'avez condamné que c'est-à-dire que ce que je pense là, je ne le pense pas. Je l'ai fait parce que je le pensais. Et aujourd'hui, c'est pas parce que vous et votre juge êtes en train de dire que moi j'ai tort, que ça veut dire que moi j'ai tort et que je vais regretter mes actes. Donc, grosse force à Fonike Menge, grosse force, que le Tout-Puissant Allah veille sur lui, que le Tout-Puissant Allah veille sur sa famille. Que le Tout-Puissant Allah veille sur lui et que le Tout-Puissant Allah veille sur sa famille. Parce que c'est pas son combat à lui tout seul. Il s'est battu pour nous tous. C'est pour nous tous. Aujourd'hui, c'est Fonike Menge qui a la sûreté, mais c'est toute la jeunesse guinéenne qui est emprisonnée. C'est toute la jeunesse guinéenne qui est emprisonnée. Comprendra qui pourra et ne comprendra pas qui pourra pas. Ça, c'est l'ordre naturel des choses. Là, le monde a besoin de changement. Le monde a besoin de changement. Ça, c'est l'homme qui est comme ça. C'est la création. C'est la divinité. Ça change. Ça change. Le monde change. Les gens changent. Les hommes changent avec. Le pouvoir change. C'est ça. C'est ça. Tu nais enfant, tu grandis. Tu changes. Tu changes de mentalité. Où tu as commencé plantant, tu vas finir DG. Les choses changent. Il faut accepter le changement. Il faut accepter le changement. Il faut pas toujours qu'on soit dans les positions où quand quelqu'un il vient, il est DG et puis il estime que non, lui il va mourir DG. Il faut pas que quelqu'un d'autre monte DG. Dans ce cas-là, où est l'évolution?
Il faut ouvrir, il faut accepter d'ouvrir la porte au changement. Il faut accepter d'ouvrir la porte au changement. Et faire ce qu'il faut pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. C'est très très important. C'est très très important. Aujourd'hui, par exemple, je dis, je donnais un petit exemple vite fait. Je dis, moi j'ai vu ce qui s'est passé avec Miss Guinée. J'ai vu que là, le comité d'organisation a changé. Ils ont confié ça à la dame du PAF. Je dis, ok, cool, c'est le changement. C'est le changement, tu vois. Moi, Joanna, elle a fait des choses au niveau de Miss Guinée avec son équipe, tu vois. On va pas dire que tout ce qu'elle a fait, c'était pourri. On va pas dire que tout ce qu'elle a fait là-bas, c'était mauvais. Ou aussi que tout ce qu'elle a fait, c'était bon. D'accord? Mais il faut surtout retenir que tout ce qu'elle a fait là-bas, c'était pas mauvais, tu vois. On ne peut pas être en mode genre, on lui fait un procès, ou bien forcément, on essaye de l'exclure carrément. Mais il faut qu'elle aussi, elle accepte le changement, et qu'elle accepte le changement avec dignité. Et à partir du moment où, par exemple, cet événement-là, c'est quelque chose qui l'intéresse, si Miss Guinée, c'est quelque chose qui l'intéresse vraiment dans son cœur et tout ça, elle n'a qu'à se mettre à la disposition de la nouvelle équipe, pour que cette nouvelle équipe-là ne commette pas les erreurs qu'elle, elle a eu à commettre. Parce que l'objectif, c'est d'évoluer. L'objectif, c'est d'aller de l'avant. L'objectif, c'est que la Guinée brille. L'objectif, c'est que les Guinéens fassent de belles choses et de bonnes choses. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas que les Guinéens fassent les choses les uns contre les autres. L'objectif, c'est que les Guinéens fassent les choses les uns avec les autres. C'est ça l'objectif. Et dans la vérité, dans l'amour et dans la sincérité, que celui qui a tort qu'on lui dise il a tort, que celui qui a raison on le félicite d'avoir raison, que celui qui est peureux qu'on lui dise qu'il a peureux, et que celui qui est courageux qu'on le félicite de son courage, parce que c'est pas très évident, surtout dans ce monde où nous vivons aujourd'hui. Donc il faut que les gens acceptent d'ouvrir la porte au changement. Il faut ouvrir la porte au changement. La vie c'est comme ça, ça se renouvelle. Ça se renouvelle, c'est comme ça. Ça se renouvelle, ça se renouvelle. Il faut que les gens ils acceptent de passer la main. Il faut que ça se renouvelle, et ça c'est à tous les niveaux de la Guinée. Ça c'est à tous les niveaux, ça c'est à tous les niveaux, hein, je vous dis, à tous les niveaux, à commencer par chez nous les artistes. À commencer par chez nous les artistes. Aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à donner de la force aux jeunes artistes guinéens, aux petits frères. Il faut qu'on apprenne d'aller vers eux, il faut qu'on accepte. Il faut qu'on accepte si eux, ils ont trop d'orgueil, ou si, je ne dirais même pas de l'orgueil, si ils ont pas encore arrivé au niveau où ils vont se rapprocher de nous, c'est à nous d'aller vers eux. Pour leur expliquer, pour leur faire comprendre, pour leur éviter de commettre les mêmes erreurs que nous. C'est très très important. C'est très très important. C'est comme ça qu'on bâtit une nation. C'est comme ça qu'on construit des gens sur le long terme. C'est comme ça qu'on construit des gens sur le long terme, tu vois. Mais aujourd'hui, il faut que les gens y comprennent. Moi, Gianni Alpha, je suis convaincu de mes avis et de mon attitude. Yeah. Je suis convaincu de ce que je suis. Je suis convaincu de ce que je fais. Et je ne le changerai pour rien au monde, mon opinion. L'opinion ne changera pas. Elle ne change pas. Parce que moi, aujourd'hui en Guinée, les gens ils sont en train d'essayer de rendre le concept du bien et du mal relatif. Ils sont en train de rendre ça, essayer de rendre ça relatif. C'est-à-dire, ils sont en train d'essayer de nous faire croire que ah, le bien, ça dépend à quel moment est-ce que c'est bien. Ah, le mal, ça dépend à quel moment est-ce que c'est mal. C'est faux. C'est pas relatif. Ça, c'est les deux plus gros concepts du monde. C'est les deux plus gros concepts du monde. Ça, c'est la base même de l'humanité. C'est là que tout repose. Tu peux pas dire, non, c'est bien, mais c'est mauvais, non. Si c'est bien, c'est pas bien. C'est mauvais, c'est pas mauvais. That's it. Et aujourd'hui, le problème qui se passe aujourd'hui en Guinée, quand toi tu es en train de te battre contre un système, les gens ils pensent que tu es en train de te battre contre une personne. C'est bizarre. C'est bizarre. En Guinée, moi je me demande parfois, c'est-à-dire les gens, ils se shootent à quoi? Je me demande parfois les gens, ils se shootent à quoi? Ils se shootent à quoi? Quand tu te bats, c'est-à-dire tu es en train de te battre contre un système que tout le monde est en train de subir. Et parfois même parmi ceux qui sont en train de subir ce système-là, ce sont ces gens-là qui vont se lever avec des préjugés, tu vois, basés sur l'ethnie, ou bien, je sais pas, basés sur la religion, ou basés sur le sexe, qui vont venir te contredire. Juste pour le plaisir de te contredire. C'est même pas qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que tu dis. Ce avec quoi ils ne sont pas d'accord, c'est le fait que ça soit toi qui le dise. C'est ça qui dérange les gens. C'est ça qui dérange les gens. Mais moi, je ne mange pas de ce pain. Moi, je ne mange pas de ce pain. Moi, je suis le genre de personne que quand je pense quelque chose, je dis. Je dis. Et que ça coûte ce que ça coûte. Mais je le dis. Je le dis. Après, maintenant, je ne le dis pas pour blesser les gens. J'essaie de le dire de la manière la plus polie, la plus correcte et la plus respectueuse que possible. Tu vois.
C'est ça. Mais quand je pense quelque chose, je le dis. Et quand toi et moi, on vient du même pays, que tu sois président de la République, que tu sois ministre, que tu sois footballeur, que tu sois artiste, que tu sois commerçant, si je te vois en train de faire des conneries, je vais te dire, yo, mon frère, là, t'es en train de faire des conneries. Là, t'es en train de faire des conneries. C'est ça. C'est ça, tu vois. Après ces derniers temps-là, faut comprendre juste une chose. Moi, j'ai pris le temps de faire ma propre autocritique, tu vois, ma propre autocritique, c'est-à-dire pouvoir me poser moi-même et réfléchir à moi-même, réfléchir à mes choix, réfléchir à ce que je fais et réfléchir à comment je le fais. Après, je suis un homme, je suis un homme, je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un homme. Je ne dis pas être, c'est-à-dire un détenteur universel de la vérité. Ça, je ne le dis pas. Je ne dis pas que moi, je ne commets jamais d'erreur. Je ne dis pas que moi, je ne fais jamais de faute. Ou je ne dis pas que moi, je ne blesse jamais les gens. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Mais aujourd'hui, je suis arrivé au stade de ma vie où certaines situations et le comportement de certaines personnes qui pensaient pouvoir, c'est-à-dire m'arrêter par leur comportement ou leur attitude, n'ont pas compris qu'ils n'ont fait que m'élever. Ils n'ont fait que m'élever. Ils n'ont fait que me rendre plus grand. Ils n'ont fait que me rendre plus mature. Ils n'ont fait que me rendre plus smart. Yeah. Vous avez fermé une porte, mais vous avez ouvert 99 portes sans vous en rendre compte. Sans vous en rendre compte. Vous avez fermé une porte, mais vous avez ouvert 99 portes sans vous en rendre compte. Yeah. Aujourd'hui, vous m'avez aidé à m'améliorer. Vous m'avez aidé à m'améliorer. Vous m'avez aidé à me reposer sur moi-même, à prendre le temps de réfléchir sur ce que je fais. Et comment je suis en train de le faire, et à corriger mes fautes et à corriger mes torts. Et donc, je vous remercie pour ça. Je vous remercie pour ça. Je vous remercie pour ça. J'ai fini de faire l'album. L'album, il est prêt, carré, boum, propre. Propre. Je suis content de ce que j'ai fait. Je suis content de ce que j'ai fait. Parce que quand je vous dis que j'ai commis des erreurs, c'est-à-dire, même dans ma carrière d'artiste, même parfois dans des choix de thème ou dans des choix de texte, je sais que j'ai commis des erreurs. Dans des choix de rimes, je sais que j'ai commis des erreurs. Et avec Chef Rebelle, j'ai essayé de corriger ça. J'ai essayé de corriger ça. Yeah. Avec Chef Rebelle, j'ai essayé de corriger ça. Avec Chef Rebelle, je suis parti sur le paradoxe guinéen. Nous, on est comment? Nous, on est comment? Nous, on est comment? Comment nous, on peut s'asseoir et opposer le bien et le mal? Et s'asseoir et regarder, oh, qui va gagner? Comment nous, on peut opposer la force intellectuelle à la force militaire et s'asseoir et regarder qui va gagner. Yeah. Comment nous on peut vouloir opposer l'homme et la femme et s'asseoir et regarder qui va gagner. Nous on est comment? Pourquoi nous on n'arrive pas à s'accorder tous sur ce qui est bien pour tous? Sur ce qui est bien pour tous. Parce qu'au final, les gens qui font les bonnes choses ont envie d'être heureux. Mais je suis sûr et certain que les gens qui font les mauvaises choses aussi ont envie d'être heureux. Vous voyez, donc, il faut qu'on apprenne à s'élever, il faut qu'on apprenne à grandir. Il faut qu'on apprenne à grandir. Comme je vous disais, cette semaine, je vous avais promis quelque chose. Mais suite aux événements que je vous ai expliqués en début de vidéo, ça s'est pas fait. Mais ça va se faire. L'album est prêt. Là, on est sur les derniers réglages, c'est-à-dire les derniers mix propres. L'album, il est prêt. Moi, je suis satisfait de l'album. Je suis satisfait de l'album. Parce que dans l'album, je me suis mis dans cet album. J'ai mis mon moi. J'ai mis mon moi. J'ai mis mon amour. J'ai mis mon amour. J'ai mis ma positivité. J'ai mis ma positivité. J'ai essayé d'exclure tout ce qui est négatif. J'ai essayé d'exclure de cet album tout ce qui est négatif. Parce qu'aujourd'hui, moi, mon combat de tous les jours, quand je me réveille aujourd'hui, au fait, je ne me bats plus pour montrer mes qualités aux gens. J'essaie de me battre maintenant pour vaincre mes défauts. Yeah. Moi, je suis arrivé à ce niveau-là. C'est là-bas que je suis. C'est là-bas que je suis. Et ça, ce ne sont que les conséquences d'événements qui m'ont conduit à ça. Aujourd'hui, moi, je ne me bats plus pour montrer mes qualités. Je me bats pour vaincre mes défauts. Je me bats pas pour les cacher, hein. Je me bats pour les vaincre. Je me bats pour les vaincre. Tous les jours que je me réveille, je me dis aujourd'hui, je dois être meilleur qu'hier. Et quand je dis meilleur qu'hier, je ne suis pas en train de parler que du point de vue artistique. Je ne suis pas en train de parler que du point de vue artistique. Je suis en train de parler du point de vue homme. Homme avec grand H. Humain. Humain. Mais comme je vous dis, c'est très très simple. Moi, mon métier d'abord, c'est la musique. Yeah. C'est ça mon métier. C'est ça mon métier.
C'est ça qui paye mon loyer. C'est ça qui enlève la dépense chez moi. C'est ça qui s'occupe de mes enfants. C'est ça qui me fait vivre. C'est ça qui s'occupe de ma mère. Vous comprenez? C'est ça d'abord que je fais. C'est ça d'abord que je fais. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'avant de faire ça, je suis d'abord un être humain. Je suis d'abord un être humain avant de faire tout ça. Avant de rentrer, avant de me poser, écrire une chanson, ensuite rentrer en studio, enregistrer cette chanson, la mixer et la mettre sur YouTube pour que toi tu l'écoutes et que tu dises, le son il est pourri, le son il est éclaté ou le son il est bien, j'adore, que tu l'achètes ou que tu l'achètes pas. Il faut savoir qu'avant de faire ça d'abord, je suis d'abord un être humain et que moi aujourd'hui mon combat, c'est tous les jours, pardon, excusez-moi, faire en sorte d'être un meilleur être humain que la veille. C'est ça mon combat. Donc, je le répète encore une fois, je le répète encore une fois. Le principe ne change pas. Le système ne change pas. L'homme ne change pas. L'homme ne change pas. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent, genre, par exemple, tout change sauf les imbéciles. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent ça. Moi, je ne change pas parce que je me suis trouvé. J'essaie de m'améliorer. J'essaie de m'améliorer. J'essaie de m'améliorer. J'ai dépassé la trentaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis un homme. Je me suis trouvé. Je me suis trouvé moralement. Je me suis trouvé spirituellement et je me suis trouvé psychologiquement. Aujourd'hui, tous les jours, mon combat, c'est d'essayer de m'améliorer. C'est pas de changer. C'est pas de changer. Personne ne pourra, c'est-à-dire, me dévier de mon chemin. Me dévier de mon chemin. Quand moi, je vois le mal, je le combats. Moi, quand je vois le mal, je le combats. Je le combats. Parce que je sais qu'à partir du moment où moi, j'essaye d'être un homme du bien, je sais que quand le mal me voit, il me combat. Yeah. Je sais que quand le mal me voit, il me combat. Donc, quand moi, je vois le mal, je le combats. Je le combats. Tu comprends? Et ça ne va jamais changer. Ça ne va jamais changer. Ça va changer le jour où le mal décidera d'être bien. Yeah. C'est le jour-là que ça va changer. C'est le jour-là que ça va changer. Donc l'album Chef Rebelle, n'oubliez pas, l'album, il est prêt. L'album, il est prêt. Il est prêt. Tu vois, il est prêt. On a fait un gros projet. On a fait des gros featuring. Et vous allez les découvrir. Et vous allez découvrir le projet au fur et à mesure. Vous allez découvrir le projet au fur et à mesure. Big up à mon équipe. Big up pour la confiance qu'ils m'ont accordée encore une fois à la Difo Live Team. Big up les gars. Big up pour l'énergie. Big up pour l'investissement. Big up pour la force. Yeah, big up pour l'amour. Pour l'amour. Big up les sicaires. Big up. Les choses sont prêtes. Mais il faut que les gens y comprennent que nous, là, yeah, on s'est trouvé. On s'est trouvé. Aujourd'hui, notre combat, c'est d'essayer de nous améliorer. Tu vois. C'est qu'on combattait hier, là. Ce qu'on combattait hier, là, on va continuer de le combattre parce que ça n'a pas changé. Parce que ça ne s'est pas amélioré. Ce que je combattais hier, je vais continuer de le combattre parce que ça ne s'est pas amélioré. Ça ne s'est pas amélioré. Le jour où ça va s'améliorer, le jour où ça va changer pour de vrai, le jour où ça va devenir bien, on va arrêter de le combattre. Mais tant que ça ne change pas, on va le combattre. On va le combattre. C'est ça. C'est ça. Parce que de toute façon, tant que eux, ils n'acceptent pas de changer, c'est qu'ils sont en train de nous combattre. Ils sont en train de combattre notre avenir. Ils sont en train de vilipender. Ils sont en train de boycotter l'avenir de nos enfants. Yeah. Moi, je ne ferai pas partie de ceux qui vont s'asseoir pour regarder ça. Je vais continuer de le combattre comme je peux. Yeah, man. Je vais continuer de le combattre comme je peux. Comme je peux. Parce que ce pays-là m'a tout donné. Donc, je refuse de le voir faire du surplace. Je refuse ça. Yeah, moi, je refuse ça. Ce pays-là m'a tout donné, à commencer par la vie et les excellents parents que j'ai. Donc, je refuse de m'asseoir et de le regarder faire du surplace. Tu vois. Après, maintenant, quand nous, on essaie de donner nos opinions, de donner notre vision du monde, de donner, c'est-à-dire, la valeur que nous, on accorde aux gens, il y en a qui se lèvent pour venir essayer de prendre ça pour de la distraction. C'est devenu un jeu. L'avenir de la Guinée, c'est devenu un jeu. C'est devenu un jeu. Ok, maintenant les campagnes sont terminées. Ok, maintenant d'accord. Ah, on dit maintenant on parle plus de politique. D'accord. Maintenant il y a un nouveau gouvernement. Yo les gars, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Vous tous qui avez soutenu cette chose-là, vous n'êtes même pas capable aujourd'hui de venir nous. Au fait, vous ne pouvez même pas venir nous voir pour nous dire, ah, on vous avait dit. On vous avait dit. Au fait, vous ne nous mettez même pas dans la position qu'on puisse vous dire, ah les gars, vous aviez raison. Vous avez tort et vous le savez et vous êtes en train de le ressentir tous les jours.
Vous aviez tort. Tu vois. Et reconnaître ses torts, c'est pas un défaut. Reconnaître ses torts, c'est pas un défaut, c'est de la grandeur. C'est de la grandeur. Moi, quand j'ai tort, je reconnais mes torts. Reconnaître ses torts, c'est pas un défaut. Dire je me suis trompé, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut, c'est une qualité, c'est de la grandeur. C'est de la grandeur, c'est de la grandeur. Mais ceux qui ne veulent pas grandir ne le comprennent pas. Ceux qui ne veulent pas grandir ne le comprennent pas. C'est ça, c'est ça. Ce pays est le nôtre. Ce pays est le nôtre. Il faut qu'on fasse les choses bien. Pour tous et toutes. Pas pour une partie. Pas pour une partie. Pour tous et toutes. Pour tous et toutes. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Comment ça? Vous voulez que nous on s'asseye et puis on regarde les choses, ça continue dans les mêmes conneries, dans les mêmes imbécilités. Et puis on n'a même pas le droit de parler. Quand tu parles, tu finis Founke Menge, tu finis à la sûreté. C'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Après vous me dites que non, ça c'est un pays qui a envie d'aller de l'avant. Un pays où la jeunesse ne peut pas s'exprimer. Un pays où la jeunesse ne peut pas s'exprimer. Un pays où on n'investit pas sur les étudiants. Un pays où on n'investit pas sur les élèves, on n'investit pas sur l'éducation, on n'investit pas sur la santé. Hein? Et puis quand tu parles, on te dit non, tu as tort. Si ceux qui dénoncent ont tort, qui a raison? Qui a raison? La Guinée ne mérite pas le bonheur? Le Guinéen ne mérite pas d'être heureux? Le Guinéen ne mérite pas d'aller de l'avant? Le Guinéen ne mérite pas de dire je suis fier de mon pays? C'est ça, so wake up. Réveillez-vous et arrêtons de nous mentir, les gars. Réveillez-vous et arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Ça se fera pas sans nous. Ça se fera pas sans nous. Ça se fera avec nous tous, frère. Ça se fera avec nous tous. Si ça marche, ça va marcher pour nous tous. Si ça se casse la gueule, on va tous le subir. On va tous le subir. Ça, ne l'oubliez pas. On va tous le subir. Dans tout ça. Donc, c'est ça, la famille. Hein? Encore une fois, je reviens sur le fait que, comme je vous disais, je tenais encore une fois, franchement, à présenter mes condoléances pour le décès d'Abdou Diabar. Je présente mes condoléances à tout le peuple de Guinée. Je présente mes condoléances à sa famille biologique, à sa famille artistique, à sa famille spirituelle. Ok? Je présente mes condoléances à tout le mouvement culturel de Guinée, en particulier, et à tous les Guinéens en général. On a perdu, c'est un bon enfant de la Guinée qu'on a perdu comme ça. Un des bons enfants de la Guinée qu'on a perdu encore une fois. Encore une fois, encore une fois. Et encore une fois, ne l'oubliez pas dans vos prières. Et encore une fois, grosse force à l'homme que l'on appelle Founke Menge. Yeah, Founke Menge, big up pour ta dignité, mon frère. Big up pour ta dignité, big up pour ta force mentale, mon frère. C'est évident que c'est pas facile. C'est évident que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est évident que c'est pas facile. C'est très très difficile d'être quelqu'un qui tient à ses principes. Mais ça, c'est des choses que les gens ne comprennent pas. Yeah. Nous aujourd'hui, on est arrivé au stade où on fait passer les principes avant les intérêts. Yeah. Nous on est arrivé à ce stade-là. Aujourd'hui, c'est d'abord les principes. D'abord les principes et ensuite les intérêts. Parce que tes principes là, faut comprendre que ça, c'est la base de ton héritage. C'est ce que tu lègueras à tes enfants. Yeah, c'est ce que tu lègueras à tes enfants. Et c'est très, très bien de pouvoir, une fois de temps en temps, tu sais, se poser et se demander ce que je suis en train de faire là. Est-ce que j'aimerais que mon enfant le fasse? Yeah. Si tu sais que tu es en train de tuer des gens, tu es en train de tuer des innocents, demande-toi si tu aimerais que ton enfant te ressemble. Si tu sais que tu es en train de mettre des innocents en prison, demande-toi si tu as envie que tes enfants te ressemblent. Yeah. Si tu sais que tu es en train de violenter des femmes, ok, demande-toi si tu as envie que ton enfant te ressemble. Yeah. Si tu sais que tu es en train de mentir tous les jours, tu vois la vérité mais tu refuses de la dire, tu transformes le vrai en faux, demande-toi si tu as envie que tes enfants te ressemblent. C'est très très important. C'est très très important. Moi aujourd'hui j'ai envie qu'en grandissant mes enfants aient envie de me ressembler. Donc j'essaie de m'améliorer. J'essaye de m'améliorer. Et merci à toutes les personnes qui agissent de manière à ce que je comprenne que mes principes ont de la valeur. Que ça a tellement de la valeur que ça dérange les mauvaises personnes. Merci à toutes les personnes qui sont en train d'agir dans ce sens-là. Parce que vous m'aidez à parfaire ma personne. Vous m'aidez à parfaire ma personne. Et comme je vous ai dit, hein, j'ai pris le temps de me poser, de faire mon autocritique. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs.
Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, même dans la musique. Même dans la musique. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Hein. Quand je dis que j'ai fait des erreurs, même dans la musique, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Mais j'ai appris. Yeah. J'ai appris. J'ai appris. Il y a peut-être des choses que j'ai eu à dire que je n'ai peut-être pas envie que mon enfant écoute. Tu vois. J'ai appris. J'ai appris. Et je suis en train de corriger mes défauts. Je suis en train de corriger mes défauts. Parce que suite à toutes ces situations-là, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ok, toutes ces situations-là m'ont aidé à m'élever, m'ont aidé à prendre du dessus. Yeah. M'ont aidé à prendre du dessus. Et il faut savoir une chose, moi je ne crois pas en l'homme, frère, moi je crois en Dieu. Yeah. Moi je ne crois pas en l'homme, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Moi je sais qu'après ici, il y a une vie. Yeah. Et moi, je sais que la seule personne qui me doit des comptes là, c'est la personne qui est dans mon miroir. Ok. Et tant que cette personne-là, je la regarderai le soir et que je pourrai me coucher et prendre ma femme dans mes bras et dormir en paix, je serai en paix avec moi-même. Parce que je sais que j'aurai fait ce que je dois faire. Yeah. J'aurai fait ce que je dois faire. J'aurai fait ce que je dois faire en face de Dieu et j'aurai fait ce que je dois faire en face des hommes. Parce que moi, je ne crois pas aux hommes, moi. Moi, je crois en Dieu. Yeah, man. Yeah, man. Donc c'est ça la famille que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Restez connectés, restez câblés. Les choses arrivent. On revient dans Chef Rebelle. On revient dans Chef Rebelle. On revient dans Chef Rebelle. Et je vous promets que vous n'allez pas être dessus. Je vous promets que vous n'allez pas être dessus. Parce que j'ai pris le temps de faire mon travail. Je l'ai fait, je l'ai très très bien fait. J'ai fait mon travail et je l'ai très très bien fait. Et vous n'allez pas être dessus.